Je souhaite bien sûr remercier Zinedine Zidane pour son accompagnement, sa bienveillance et l'attention toute particulière qu'il a eue pour ce projet et la lumière incommensurable qu'il lui a donnée. Vous savez, je suis de la Castellane, j'ai grandi ici avec mes parents, ma famille, on a vécu ici. Je connais bien ce quartier, je l'aime, même s'il a changé un petit peu. Il y a des choses qui n'ont pas changé et surtout les personnes qui s'en occupent. Aujourd'hui, je suis là avec vous, c'est parce qu'il me semble super important et vraiment important de soutenir votre initiative. Elle va être, je suis sûr, permettre d'améliorer la vie des gens et la vie de ce quartier, parce que c'est très important, et je l'espère, de la vie des quartiers en général. Donc certains sont devenus ce qu'on appelle des déserts médicaux, et ça c'est pas possible, parce que c'est pas possible de laisser se creuser les inégalités dans l'accès aux soins. J'espère vraiment que cela ne s'arrête pas là, et que ce dispositif pourra se déployer dans tous les quartiers qui en ont besoin, dans la région, bien entendu, et qui c'est en France. Et c'est en effet essentiel qu'il y ait un vrai suivi. Donc, comme vous l'avez dit, parce que vous avez envie, madame Gali, que le quartier change. On a tous envie. Moi, je suis d'ici, c'est vrai qu'on est parti, mais de toute façon, on a toujours notre cœur là. Même si on n'y est pas, même si nos vies sont différentes, et même si on ne change jamais de toute façon. Vous soutenez comme vous voulez. Bravo! Bravo!